Dans la saga Indiana Jones, les uniformes militaires que portent les nazis étaient des vrais uniformes nazis qui étaient achetés dans un surplus militaire au Texas. Des uniformes nazis au Texas. Bref, vous voulez en savoir plus sur les costumes des films Indiana Jones? Alors c'est parti pour un nouveau secret des costumes. Alors, la personne qui est à l'origine du mythique look d'Indiana Jones, c'est Deborah Nadulman. C'était la chef costumière pour le tout premier film d'Indiana Jones, et en fait, elle avait la charge de créer justement cette esthétique. Et le film Le Secret des Incas, de Jerry Hooper, est la principale inspiration de la saga Indiana Jones. Toute l'équipe de production d'Indiana Jones se l'est vraiment matée plusieurs fois juste avant de se lancer sur la production des films. Et ce look de l'aventurier qui est porté dans le film par Charlton Heston, il a été littéralement copié-collé pour Indiana Jones. Il y a vraiment totalement les mêmes pièces. On a le fedora, le blouson et même le fouet. Mais c'est pas la seule inspiration. Ouais, la chef costumière s'est aussi inspirée des films noirs des années 40 de Alan Ladd, avec les personnages habillés en blouson de cuir et avec leur fedora en feutre. Bon, vous le savez peut-être, mais à la base, c'est pas Harrison Ford qui devait jouer Indiana Jones, mais Tom Selleck. Mais à l'époque, Tom Selleck venait d'être juste tout pile pris pour le tournage de la série Magnum. Bon, lui il est parti, et du coup ils ont pris Harrison Ford. Ils étaient trop deg. Ouais, déjà parce que Harrison Ford, il avait pas le même âge, il avait pas même la même réputation à l'époque que Tom Selleck. Mais en plus, parce que le costume, il était déjà prêt pour Tom Selleck. Bon, ça va, parce que Tom Selleck et Harrison Ford, ils avaient à peu près la même corpulence, donc le costume était bon pour lui. Faut savoir que pour Les Aventuriers de l'Arche Perdue, le tout premier film, avant d'être un succès tel qu'on le connaît aujourd'hui, bah en fait, au début, ils savaient pas trop dans quoi ils s'engageaient, et ils avaient un budget hyper restreint. Du coup, bah forcément, quand y a pas beaucoup de budget pour un film, y a pas beaucoup de budget pour les costumes. Et Deborah Nadulman, bah elle a dû composer un peu comme elle pouvait aussi justement pour habiller les acteurs, mais aussi les cascadeurs, les figurants, bref, toute l'équipe. Et pour habiller Indiana Jones, Deborah Nadulman a commandé seulement 15 chapeaux, 10-12 pantalons, 25 chemises, 10 vestes en cuir et 5 paires de chaussures. Alors pour nous, commun du mortel, toute cette liste de courses, ça paraît être beaucoup de vêtements. Mais pour un film qui va s'étirer sur 3 mois, honnêtement, t'habiller avec 5 paires de chaussures quand tu vas dans la crasse et tout, c'est ok, mais ça va, c'est des chaussures. Mais alors les chemises, t'en as pas beaucoup mon gars. Bref, c'était tendu, mais ils se sont débrouillés. Et justement, malgré ce manque de budget, bah je trouve que même avec tous les moyens qu'il y avait pour le film, ils se sont vachement bien démerdés. Très cool. Vous savez ce qui est encore pire que d'avoir un budget restreint pour des costumes? C'est de gâcher du budget restreint pour tes costumes dans des costumes et dans des vêtements que t'achètes qui vont être inutilisables. Et c'est exactement ce qui s'est passé justement pour Deborah Nadulman. D'abord, pour les blousons en cuir justement d'Indiana Jones, elle en a commandé un dans un petit magasin en Californie et tout en se disant « bon, ils vont faire l'affaire, c'est mon budget ». Et quand elle a reçu tous ces petits manteaux en cuir et qu'elle a commencé à les vieillir, à leur mettre de la patine et tout, bah en fait le cuir, enfin ce que c'était, ça s'est troué, voilà, c'était inutilisable à la caméra. Et du coup, Deborah Nadulman et Harrison Ford, ils ont vu ça et ils sont allés protester auprès de la production. Et ensemble, ils ont réussi à avoir un tout petit peu de budget pour pouvoir commander d'autres blousons en cuir. Yes, Harrison Ford, il manifeste à fond. En même temps, Harrison Ford, le gars, il avait déjà 40 ans, t'as plus rien à lui apprendre. Et comme quoi, il y a des trucs à dire hein, sur les blousons en cuir, juste le petit blouson en cuir d'Indiana Jones. Mais il y a encore un autre truc, le fedora là. Il y a plein de trucs à dire sur le fedora. Deborah Nadulman, elle a commandé plein de fedora avec des tailles et des formes différentes. Parce que le fedora, c'est le chapeau en feutre. Mais il y a plein de trucs qui changent sur ton chapeau. Il y a la hauteur du chapeau, il y a la largeur de la visière, il y a plein de trucs qui changent. Et donc, pour le premier essayage d'Harrison Ford, elle avait son gros bac de fedora et elle lui en a mis plein sur la tête. Et du coup, le fedora qui a retenu son attention et avec lequel le style matchait le mieux, c'était un fedora australien. Oui, parce qu'il y a différents types de fedora, t'as des fedora italiens, australiens, voilà. Celui-là, il est australien. Oui, ce fedora australien, pourquoi il était intéressant? Parce qu'il permettait de mettre en valeur le visage de l'acteur, donc pas trop cacher les yeux pour les plans cam, parce qu'avec le soleil et tout, faut quand même qu'on puisse voir ses yeux, mais en même temps de pouvoir pas être trop imposant ou trop rikiki. Et comme pour tous les autres vêtements d'Indiana Jones, évidemment ils ont dû subir tout plein de patines, de vieillissement et d'usure pour leur donner un petit peu ce côté usé, utilisé et porté. Et ça, ça a été fait à base d'argile et d'huile, et en même temps en s'asseyant dessus. Et il s'assoit dessus. C'est horrible. Bon, assez simple, mais en même temps, faut quand même le souligner, c'est qu'évidemment, la palette colorimétrique qui habille Indiana Jones, c'est forcément celle en rapport avec son métier. Avec la terre, ce côté genre ocre, marronné, c'est des tons qui sont très neutres, mais pas trop clinquants. Voilà, c'est un archéologue. Et à l'inverse, évidemment, les nazis sont habillés avec du gris, des tons sombres, c'est les méchants. Ils sont très méchants. Et comme je vous l'ai dit en intro, ces uniformes nazis, ils provenaient d'un surplus militaire qui est situé au Texas. Et même aujourd'hui, du coup, après toutes ces années, il y en a plus du tout. Ils sont plus disponibles. En fait, avec le temps et avec toutes ces années, tu te rends compte qu'il y a juste des trucs à l'époque qui étaient accessibles, même des trucs historiques qui étaient accessibles, alors que là, maintenant, tu pourrais plus les trouver. Pour les deuxième et troisième films Indiana Jones, c'est plus Deborah Nadulman qui s'occupait des costumes, mais c'est Anthony Powell. Mais après, en vrai, il n'y a rien qu'à changer, parce qu'Anthony Powell, il a juste pris la même direction que Deborah Nadulman. Il a vraiment respecté son travail. À la différence que forcément, pour ces deux films, il y avait beaucoup plus de budget, donc plus de chemises, plus de costumes, plus de choses pour habiller les acteurs. Oh, et pour le personnage de Sean Connery, Anthony Powell s'est inspiré de l'esthétique et du look de son grand-père.
C'est drôle parce que quand j'ai vu des interviews de Deborah Nadelman sur comment elle a créé cette esthétique, ce look iconique d'Indiana Jones, bah en fait, elle a répondu que juste à l'époque, elle a fait comme elle a pu, quoi. Elle s'est pas dit genre « Waouh, ce truc-là, il va être légendaire !» Elle s'est dit « Je dois habiller des acteurs, j'ai tant de budget, je dois l'habiller comme ça parce que c'est un peu l'esprit du film, et c'est tout. » Mais avec le succès du film et avec le temps, bah en fait, le look d'Indiana Jones, il est devenu mais juste mythique. À tel point que ce look d'Indiana Jones, il est ancré dans la pop culture. Là, il y a Uncharted qui est sorti il y a pas longtemps. Bon, on voit que Nathan Drake, il est habillé selon le même look, selon cette même esthétique. Et ouais, à la base, les costumes d'Indiana Jones, bah c'était hyper cheap, mais ça rend super bien. Donc comme quoi ils ont bien bossé, et que t'as pas besoin d'avoir un budget de fou pour créer une légende. C'était tout pour moi. Tchou! Hey, si t'as kiffé la vidéo, hésite pas, abonne-toi, lâche-moi un pouce, un commentaire. Dis-nous ce que t'as pensé de l'Indiana Jones. Est-ce que tu penses qu'ils sont trop vieux maintenant, ou c'est un classique, non?